culot. Il dit, gros, moi je suis là, j'ai besoin d'un taf. Tu me prends, tac. Alors là, il m'a vu, il m'a mis un jour à l'essai. Il m'a vu à l'essai, là, je vendais comme si c'était n'importe quoi. Non, Non, mon collègue, t'as la charge. mais non, T'as la lourd. charge. Ça T'as la veut dire, charge. il T'as dit, le flou, t'es déjà bien ça veut dire, habillé. j'ai travaillé à Genius, je me suis fait opérer, première opération d'eau, je suis parti au Cap Breton, j'ai passé le bac au candidat libre, le bac L, littéraire, et je l'ai eu au rattrapage, j'avais 76 points rattrapés, je l'ai eu. Toi, t'étais trop Non, déter, non, toi. toi Toi, t'as t'étais non, trop. non. Et j'ai Toi, t'es validé déjà tout tout là. là, moi j'ai Non. validé Toi, tout, t'es ils déjà m'ont quand t'es appris au taf, bouche, tu je suis profites parti déjà, au ça, en resto. fait. À la maison, il dormait avec ses fiches. Non, Moi, rentre-moi. je dormais à mes fiches, jamais. J'allais en cours tout le temps. En plus, Non, c'était une école. Ça s'appelle l'école du temps choisi dans le 13e. non. C'est une école. C'est pas une école, en fait. Il y avait moi, il y avait Daron. Tant qu'on a dit, mais c'est des gens qui acceptaient de donner le vrai cours, tu vois. T'es Ok. pas obligé d'y aller. C'est un peu comme la fac. T'es pas obligé d'y aller. C'est-à-dire, moi, j'y allais tout le temps. J'y allais. Quand j'avais pas, parce que j'avais pas cours tous les jours non plus, tu vois. C'était le mardi, le jeudi, des trucs comme ça, tu vois. C'est-à-dire, charbonner, je taffais. J'allais en cours et j'essayais de m'entraîner entre les trois. Je faisais tout ce que ça se trouvait. Non, j'avoue, Après, j'avoue. je Tu sais vous que êtes dû je connaître, suis mon la frère. foule. Arrête de juger les gens comme ça. Hein? Non. Non, c'est Mais si grave. j'ai dit, ils vont te connaître aujourd'hui. Ils vont savoir qui est qui aujourd'hui, la tête d'homme. Dès que j'ai su, là, c'était un bam bam. J'ai eu mon bac gros, la vie de ma mère, histoire véridique. Hey, tout ce que j'ai eu, de toute façon, c'est mes devis. Je dois avoir 12, il y avait deux étapes. Il y avait philosophie, histoire, anglais. Tête de ma mère. Je voulais prendre histoire. Mon pote de l'époque, il me dit, prends pas histoire. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que tu prends histoire, t'es mort. Histoire, tu mets la mauvaise date, t'es cuit. Tu veux pas trop blaguer, tu veux pas T'as blaguer. capté? Ça, c'est quand j'arrive au rattrapage. Déjà, je passe le bac en mode stress. Je passe, j'écris, nanana. J'arrive, je vois les admis, je vois pas mon nom. Je dis, oh, refusé, je vois pas mon nom. Je dis, quel bail? Rattrapage. Oh. Là, t'es content, mais t'es pas très content. Et le lendemain, on me dit, tu dois rattraper 76 points. Le mec, il me dit, c'est impossible. La vie de ma mère, il me dit, c'est impossible. Et là, le lendemain, mon prof, il me dit, tous ceux qui sont rattrapés, vous venez, vous avez des trucs à 14h. Vous venez à 8h, de 8h à midi, on va pousser comme des chiens. On travaille, ouais. Et le rattrapage, c'est qu'ils sont, c'est quoi? C'est l'oral. Tu sais que moi, je suis un orateur. Tu es arrivé, il m'a dit philo, histoire, anglais. J'ai dit anglais, valide, philo ou histoire. Je t'ai dit, fuck, je prends un philo. J'ai pris philo. T'as pris philo au rattrapage, t'es un Philo. baiser, toi. Philo au rattrapage. Maintenant, écoute bien l'anecdote. Ça, c'est des anecdotes que je n'ai jamais dit à personne. J'arrive en philo. Je commence avec philo, je finis avec l'anglais. En philo, je connaissais un chapitre. C'était Candide Bâtard. Je connaissais un seul chapitre dans tout le livre. C'est la partie sur le nègre de Suriname, l'esclavage. J'arrive, je tombe sur le texte, je vois, c'est ça. Mais c'est genre, c'est la fin. C'est la fin du tout. Genre, il y avait une lettre sur Suriname, après ça passait dans un autre bail que je connaissais pas du tout. Ok. Je me Toi, dis, t'as je matché sur ça, sur le truc du Suriname direct. vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais cramacher, je vais, vas-y. J'y vais, on commence à parler, je commence à parler un peu, tout ça, tatatata. Et genre, d'un coup, on parle de femmes, on parle sur un truc de féministe, la meuf c'est une genre de féministe. On a commencé à parler, elle me dit oui, mais les femmes en Afrique, on a commencé à parler de ça, au final, on n'a même pas parlé du truc. Après ça, elle me dit, bon, on s'est un peu écarté, tout ça, mais je vois que tu as de la jojo, tu parles très très bien, bon, vas-y. Tu as combien de points à rattraper? Je dis 76. Elle dit quoi? Elle dit, bon, ben. Et moi, c'était un bac L, ça veut dire philo, c'est le coefficient 12. Elle me dit quoi? Je te mets. Bon, et moi, j'avais fait mon calcul. Je devais avoir 18 en anglais et 12 en philo. OK. Elle me met quoi? Elle me dit, ah, t'as pas le droit d'avoir la dot. Ah, t'as pas le droit de dire la dot. Elle m'a dit, je te le dis. Je te mets un 12. Dès qu'elle a dit ça, là, j'ai dit, c'est foutu. Même c'est bon déjà. Bon, quand elle m'a mis 12, je sais que ce qui m'attend là-haut, c'est l'anglais. À l'oral. Emballé, c'est pesé déjà. Je suis le dernier élève de la journée qui doit passer. J'arrive, et t'as vu, quand tu passes le bac de rattrapage, t'arrives toujours à la fin de la séance de l'autre. Ouais. Moi, je me pose. Le gars aussi qui était avant moi, comme on dit en lingala, c'était un baba. Ça veut dire l'anglais, frérot, ça sortait des aïe. Lui, il y avait. Lui,
Lui, il n'y avait rien pour lui. Lui, il était fou. Et moi, j'étais là, derrière, j'écoutais ça, moi, et je voyais la prof, elle était en train de s'énerver. Elle dit, non, c'est pas like this. Elle se barre, elle me regarde et dit, bon, allez. So, we going to start. So, tell me. About... Je lis un texte, ça me dit, Martin, il va au magasin acheter des pommes. Il dit, c'est quoi cette connerie, là? Il arrive, elle me dit, bon, explique-moi, alors, so, Martin, going to the store. Donc, elle dit ça. Moi, je lui dis, bon, je lui dis, ouais. Et là, je commence en anglais direct, tu vois. Elle me regarde. Choqué. Après, je lui dis, yo, you want to talk about something else than Martin going to the store? Mais en gros, tu veux pas qu'on parle d'un autre truc que Martin il va au store Elle m'a regardé, elle a dit, mais c'est pas possible, tu parles ton accent, tout ça. T'as refait ta journée. Tiens, m'a mis combien? Hey, je devais avoir 18, boss. Et normalement, ils ont pas le droit de te donner. C'est pour ça que quand je t'ai dit, le bon Dieu, il est toujours avec moi. Ça, c'est que ça peut être que Dieu. De moi-même, c'est foutu. Elle m'a dit, bon, franchement, t'as trop bien parlé et tout. T'as combien de points à rattraper? J'ai dit 78. L'autre, j'ai dit 76, j'ai dit 78. 78. Elle dit, mais c'est incroyable. Elle me dit, bon, c'est quoi ton autre matière? Je dis, philo. Elle dit, oh, t'es bon en philo? J'ai dit, franchement, pas terrible. Elle dit, t'as fait quoi ta première truc? J'ai dit, je crois que j'ai foiré. Elle dit, bon. Et je te mets 19. Elle dit, parce que si je te mets 20, ça va être bizarre, ça va te paraître suspect, on va croire qu'on se connaît. Je te mets 19. J'ai dit, pas de problème. Dès que je suis sorti. Champion, descendu en bas. Pour savoir si j'aurais le bac. Tu savais déjà. Moi je criais, tu me connais. J'ai le bac, pas de bac. Je dis, moi, j'ai fini avec vous. Moi, je vous dis, après, tu parles comme ça, moi, t'as le 10. Je me dis, putain, imagine cette connasse, au lieu de mettre 18, 19, elle met 17. Ou si l'autre, elle met 12, elle met 10. Bon, comment c'est? Après, j'ai dit, bon, j'ai regardé mon nom. Dès que j'ai regardé, il y a écrit Rodbuka. C'est bon. Je rentrais chez moi. Dès mon petit rêve, il était là. Je rentrais chez moi. On a une tradition, nous, au bled, au Congo, quand t'as le bac. On jette l'appareil. Dès que je suis rentré directement, voilà. Wow. Ah, toi, t'es un boss, hein? Toi, t'es un boss. Ça a pété, ça a pété. Ouais, à partir de là, là, dès que j'ai validé tout ça, là, je suis remonté dans l'avion. Fium, direct. Agilus, la tête de ma mère en légende, peut dire ce qu'ils veulent sur moi. Voilà. Je vendais des jeans, frérot. Je vendais des t-shirts à des mecs qui jouent au basket. C'est des basketteurs et je sais que je suis 100 fois plus fort que toi. Et voilà, T'as capté. Les mecs, ça me regardait. Wesh. Les gars, comme Greno, c'est mon frérot. Ouais, on est en force. Mais il y avait d'autres que mes. Ils rentraient. Ça te regarde de haut. Ça rentre avec des meufs. Ça fait des gabas. Moi, je le seum. Hein. J'ai comme toi, tu fais le basketteur. Ouais, les billets, aujourd'hui, tu vas sortir d'ici, je vais dépasser 100 euros. Que je les allumais. T'inquiète, mon gars, je t'arrange. Prends ça, c'est tous ceux qui avaient le malheur de venir avec l'ego. Alors, ouais, t'as dit non. Toi, t'es un pro. Non, la NBA, c'est pour quand? Non, frérot, t'as des balles. T'inquiète, aujourd'hui, je te mets bien. Je dis au boss, hey, lui, c'est mon gars. Tu vois, lui, il va aller en NBA alors que je sais qu'il est nul à chier. Comme vous savez, Ronnie bosse à Genius, il vend des jeans, y a pas de problème. Mais tous les jours là, je me dis la meilleure fois de sortir d'ici là. Ils sont morts. Ils sont morts. Oh gars, la mentale, la mentale, la mentale.